Allez, nouvelle journée dans Animal Crossing. Nous serons du coup le lundi 4 décembre au moment où on tourne cette vidéo. Voilà. Donc, 15h59, on est d'accord, voici l'information du jour. Voilà, son... Ah oui, c'est vrai que c'est l'ouverture du musée du coup. Cool. Excellent. Excellent, excellent. Bon. On va fêter ça. Oui, évidemment. Et on va fêter ça quand même. Très bien pour l'ouverture du musée. Bon, alors. Est-ce que je serai en live pour le trailer? Non, je ne serai pas là pour le trailer de GTA 6, donc il y aura une vidéo sur la chaîne, mais je ne serai pas en stream, parce que je ne suis pas là, je suis en déplacement pro, beaucoup plus important, même si GTA 6 est important, c'est un trailer, donc je ferai une petite vidéo dessus, mais non, je ne serai pas en live pour le trailer. Donc, du coup, c'est l'ouverture du musée aujourd'hui. Ah, le musée qui est enfin là, s'il te plaît. Enfin! Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va commencer par faire, c'est aller parler aux habitants dans un premier temps. Ils sont pas là. On commence par ça. Avant de faire quoi que ce soit, on parle aux habitants. Parce que je sais à quel point la mission va être longue sinon. Ah, je ramasse ça aussi. On fait notre petit tour de la journée. Vas-y, let's go. Hop là. Alors. Merci Queen. Alors attention, comme on a dit un sub, un ballon. Je vais peut-être l'éloigner un petit peu du micro quand même. Merci Queen pour ton resub. Boum. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Mais oui, je serai pas là lundi, mardi, mercredi. Les épisodes d'Animal Crossing sortiront, mais je ne serai pas là. Malheureusement. Malheureusement, je ne serai pas là. Bon, alors attends, je ramasse tout ce qu'il y a à ramasser, je dis bonjour à tous ceux à qui il faut dire bonjour. Et on sera bon. Alors attends. Ils sont où? Ils ont encore disparu. Attends, le pont doit être construit aussi, non? Ah ouais, mais attends, si le pont est construit, ça veut dire que potentiellement ils sont là-bas. Ah ouais, mais attends. Attends. Ah, super. Merci, tiens, viens, bonjour. Une mimique. Ah, pas encore. Grâce à toi, j'ai envie de recommencer Animal Crossing, je passe un très bon moment. Ah, parfait! On fait tout en même temps, tu vois. Mais non, il n'y aura pas une petite vague de dépression, pas du tout, pas du tout. Non, non, non. On ne minimise pas ce mot. Et non. Allez, bonjour à ceux qui débarquent. Hello! Alors. Il est où le deuxième? Ah, mais attends, si le pont est construit. Ah, le pont est construit. Du coup, ils vont être potentiellement de l'autre côté du pont. Ah là là, il est peut-être allé se balader. Et ouais, en fait, c'est ça le problème d'avoir mis un pont. C'est que du coup, les habitants peuvent aller se balader loin. Et pour les retrouver, c'est un calvaire. Est-ce que c'est pas trop dur de recommencer Animal Crossing? Mais bien au contraire. Je pense que ça se sent sur les épisodes. Bien au contraire, quel plaisir. Genre vraiment, c'est trop bien. Et puis en plus, le mois de décembre, voilà. Tout le monde, ça a l'air de faire plaisir à tout le monde. On est vraiment en mode chill. Ah non, vraiment, pour moi, c'est pas dur. Au contraire. Vraiment. C'est même tout le contraire. C'est un plaisir fou. Bah, vous commencez à me connaître sur la chaîne. Si je prenais pas de plaisir à quelque chose, je le ferais pas. Tout simplement, tu vois. Donc voilà. Alors, on va faire ça. Écoute, je vais caler la pierre tout de suite à ce moment-là. Ça sera très bien. Allez, on récupère un max de trucs. Donc, aujourd'hui, on va peut-être amener des choses au musée. On va également finir la construction des maisons. Et on va voir ce qu'on a à faire aussi. Ah, il est pas là. Hein. Je sais pas où il est, du coup. Il a dû partir. Il doit être quelque part. Attends, je vais attraper ça. Viens ici, toi. Viens ici. Hop là. Ah, il y a un truc là-haut. Je n'ai aucune idée d'où est mon personnage. Ils peuvent pas passer par le tuyau, les personnages. Je crois pas. Hein. On est tous d'accord qu'ils ne peuvent pas passer. Parce que si jamais on se retrouve avec ça, ça serait embêtant. Alors, attends. Je crois pas. Hein. Je ne crois pas. Ah, il fallait qu'on ramasse des mauvaises herbes. Attendez. Il y avait 20 mauvaises herbes à ramasser. Bon, très bien. Il me reste une place.
J'ai voulu recommencer en effaçant ma partie et comme une bébête, j'ai archivé Animal Crossing. Ah zut, faut le retélécharger. Mais tu sais que j'ai dû le réinstaller sur ma console et je me souvenais pas que le jeu était aussi gros à réinstaller. Genre le jeu pèse assez lourd parce que je l'ai en version dématérialisée. Et du coup, tu vois, comment tu vas faire pour avoir le reste des fruits des arbres? Eh bien, je vais demander soit à mon meilleur pote d'aller chez lui, soit je demanderai à quelqu'un sur le stream s'il veut bien m'ouvrir son île pour que j'aille récupérer les... tout ça, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de problème, que des solutions. Bon, je pense qu'on a ce qu'il faut d'ailleurs. Pas de problème, que des solutions, mais enfin. Alors, pelle rudimentaire. On va casser ça tant qu'on y est. Paf. Il y a déjà des hybrides ou pas déjà? Oh, attends. Je l'ai déjà lui, je crois. Non, je crois que je l'ai pas. Je préfère... Ah, je pourrais pas le capturer. Non, je l'ai déjà. Non, il avait disparu la dernière fois. Non, je l'ai pas. Attends. Disparais pas. Ok, je l'avais pas. Mais non, il avait disparu la dernière fois. Il avait disparu, je me souviens. Bah, contre la branche d'arbre. Vas-y. Bon, par contre, du coup, j'ai claqué le rocher. Il y aura plus rien, normalement. Bah oui, évidemment. Bon, ouais, tant pis. J'ai récupéré tout ce que j'avais à récupérer. Et je crois qu'on est bon. On va descendre ici pour récupérer ça. Sachant qu'il me faut des herbes pour le plan. Attends. En espérant que ce soit des choses que j'ai déjà ramassées. Il me reste encore 3h17, je suis à 16%. La vache. Bon, moi, ça a été un peu plus rapide parce que j'avais la fibre. Mais ouais, c'était assez long. Hein. Ouais, je pensais pas qu'il était aussi lourd que ça. J'avais aucun souvenir de ça. Alors attends. Par contre, il me manque toujours un habitant que j'ai pas vu. Je sais pas où est-ce qu'il s'est barré. Hop. Ah bah, ah tiens, il y a lui. Eh ouais, c'est pas ce qu'il me semblait. Échanger. Ah, je vais laisser l'argile. Je joue depuis des années et je n'ai toujours pas réussi à avoir les cerises. Faut-il absolument aller chez des gens? Oui. Absolument. Ouais. J'ai craqué, j'ai recommencé aussi. Ah ah. Pas aujourd'hui, Milou, mais c'est gentil. Plus tard. Peut-être un jour. Mais oui, il y a certains fruits, il faut absolument aller chez d'autres gens pour les avoir. Ouais. Si tu veux vraiment avoir le 100% de trucs, il faut. Mais comme on est beaucoup à rejouer au jeu en même temps, on pourra potentiellement... ouvre quelqu'un pour ouvrir ses portes, comme ça on va chez lui, etc, etc, donc voilà, tu vois. Donc potentiellement, faut pas hésiter entre vous, hein, passez-vous vos codes amis, bah, vous n'avez pas besoin des codes amis, mais ouvrez-vous vos îles, tu vois. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous entraider, voilà, on est là pour ça, hein. On est là pour ça aussi, tu vois. Alors. Hop. C'est aussi ça Animal Crossing, c'est le partage. Ok, bon, let's go. Par contre, je sais toujours pas où est mon autre personnage là, à qui il faut que je dise bonjour. Pas que je vois. Alors. Voyons voir. Non, il faut que j'aille vendre mes trucs avant. Trop de choses, on va passer à la boutique. Il y a peut-être des choses sympas en plus à la boutique. Ah. Je me rappelle dans les précédentes versions, j'envoyais par courrier le fruit que j'avais aux habitants. Et des fois, ils me répondaient avec un fruit que j'avais pas. Alors, je n'ai aucune idée de si ça fonctionne. Je sais pas si on peut envoyer des lettres aux gens dans celui-là. Je sais qu'on peut s'en envoyer soi-même. On peut en envoyer à des potes. Mais je sais pas du tout. J'avoue que j'en ai aucune idée. Je me souviens... J'ai jamais essayé en vrai. Et pourtant on a plus de 1000 heures de jeu, mais j'ai jamais essayé d'envoyer des lettres aux habitants. Leur offrir des trucs, oui. Mais alors sinon... je vais vendre tout ça. Voilà. Ah si, j'ai ça, si. On peut envoyer des lettres aux habitants. Bah je sais pas, peut-être que ça marche alors. Peut-être que ça marche. Très bonne idée.
Très très bonne idée. Bah écoute, il faudrait essayer. Il faudrait que quelqu'un essaye et nous dise. Peut-être. Vas-y, j'achète. Avec plaisir. Alors attends, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Alors. Qu'est-ce qu'on a en papier peint? Merci MTE pour ton sub. Bouge pas. Un ballon. Un sub, un ballon. Vous savez comment ça marche au mois de décembre? Hop. Boum. Merci beaucoup. 44e mois aussi. Merci beaucoup. Tiens, il me plaît bien celui-là. Solde bois pain blanc. Ouais, m'intéresse. Ok. Pam pam padam pam 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 padam pam. Alors. Voyons voir. Ah oui, j'ai tout ça à amener au musée après. Je ne sais toujours pas où est mon habitant. Ça, c'est chez moi. Je sais pas où il est. Hein. Il faudrait qu'on arrose nos plantes aussi pour la mission. J'en ai aucune idée. Moi, j'ai toujours reçu des vents. Ah ouais, genre, il te redonne rien? Oh, les saligots. j'espère que ça va, Jabberwock. Ah, il est peut-être dans le musée. C'est vrai que du coup, il peut être dans le musée aussi. C'est vrai. Ah ouais, c'est sympa, c'est mieux. Peau de lait et sucre. Voilà, tu sais quoi? Moi je mets tout pour l'instant chez moi. Puisque de toute façon, il faut poser les trucs. Il faudrait que je fasse un lit aussi. Hein. De toute façon, il faudra que j'améliore un peu tout ça. Ah, c'est vraiment genre vraiment. C'est spartiate quoi. Du coup. Attends, c'était où? Oui, c'est là. Placer. Vas-y, je récupère tout ça. De toute façon, on va l'amener au musée là. Eh ben, attends, tant qu'on y est. Regarde. Je vais placer quelques trucs. Placer dans les poches. Ah, les poches sont pleines. Ouais. Bah en fait, c'est surtout qu'on va avancer la mission où il faut placer des choses chez soi aussi. C'est surtout ça que j'avais en tête. Hop, mettre ça là-dessus. Voilà. Ça ressemble à rien, mais au moins il y a des meubles. Au moins. Au moins, c'est pas plus mal. Donc, reprenons. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons et allons au musée. Puisque à la base, on est là pour ça. Ah, monsieur Thibault. Bonjour. Ah, je me laisse parfois surprendre par le sommeil, il y a plus important. Regardez qui voilà, ce cher Edouard. Après l'insupportable attente, le musée de Valhalla est enfin ouvert. Attends, c'est un joyau de savoir-faire. Avec grand plaisir. Maintenant, si tu veux bien, plaisir de ces lieux. Comme tu vois, les entrées sont aménagées à gauche, à droite, ainsi qu'en direction du sous-sol. Absolument. Et il y en aura une en plus tard. Allez. Plusieurs dons à la fois, avec plaisir. Allez. Voilà, super. Donc, faire une donation. Ah oui, non, faut que j'expertise les fossiles d'abord. Attends. Bah attends, tu sais quoi, on va lui donner ça, déjà. En plus, il adore les insectes. Non, ça ira. Expertiser des fossiles. En plus, on va bien avancer dans nos missions, finalement. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a 9 d'un coup, c'est cool. Allez. Hop. Ouais, ce qu'il faut. Donc, faire une donation. Et là, on va tout lui donner d'un coup. Donc. Alors, on commence à bien remplir le musée. Paf. Après, j'ai tous les trucs à donner qui sont dehors aussi. Non, c'est bon. Parfait. Et normalement, je dois avoir mes premiers. J'essaie d'en faire une peut-être que. Je sais pas si j'en avais une à faire de photos, mais on verra bien. Non.
J'en avais pas aujourd'hui. Peut-être dans une mission supplémentaire, peut-être. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il y a tactique des mimiques. C'est vrai qu'on en a chopé une. Ah, on en a quatre déjà. Tiens. Ok. Et bah, il y avait rien de plus. Tiens, c'est amusant. Je pensais que... Ah, c'était à... Bah non, on en a donné combien au musée? Il n'y avait pas un truc genre donner tant de choses au musée hein? Il me semblait. Bon, l'autre se balade très certainement dans le musée. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Il faut que je construise des choses. Et il faudra absolument qu'on fasse... il faudra absolument qu'on fasse les plans. Les plans, qu'on s'appelle de... De... Punaise. Oh, j'ai perdu le mot. C'est terrible. J'ai perdu le plan. J'ai perdu le plan, j'ai perdu le mot. Bon, tant pis, attendez. Je sais plus ce qu'il me faut. Je sais plus... Attends, il y a ça déjà. Oui. Oui. Alors, attends. Échanger des maïs nook, oui. On fera ça plus tard, peut-être. Attends, j'ai le micro. Non, j'ai pas testé le nouveau jeu. J'ai pas testé le nouveau jeu de Walking Dead et apparemment c'est de la merde. Apparemment c'est vraiment de la merde. Donc je ne vais pas l'acheter pour qu'on pour je vais pas l'acheter pour que je dise ah bah oui effectivement c'est de la merde. Non, non. Pas d'argent acheté par les fenêtres. Donc non. Alors attends, il faut que je fasse une capture de ce qu'il nous faut. Ah oui, il faut juste le lit en bois, en fait, ici. Lit en bois. Lit en bois, bantron, tabletron. Ok, lit en bois, tabletron, bantron. Ok. Ok, lit en bois. Bon, je vous laisse retenir. Lit en bois, tabletron. Et bantron, je crois, c'est ça. Table, table, banc et lit. Je crois que c'est tout. C'est ça, hein. J'ai regardé ça tellement vite fait. Ok, vas-y, let's go. Hop. Ouais, c'est pas mal, Calixto. À partir du moment où tu commences à maîtriser un peu, tu peux faire pas mal de choses. Et puis après, avec Photoshop et tout, tu fais des trucs chouettes. Hein. Je me sers vraiment de ça, plus de Photoshop en fait. Hein. C'est pratique. Est-ce que je vais avoir ce qu'il faut? Photoshop fait des merveilles aussi. Hein. Ok. Je sais pas quel type de bois il me faut en fait, c'est ça le problème. Par contre, je crois qu'il faut que je revende des fruits. Je joue à Arkham Asylum sur Switch et je le trouve très bien. Ah mais Arkham Asylum n'a aucun problème. De Arkham City c'est pareil. C'est Arkham Knight qui a des problèmes. C'est bien dommage d'ailleurs. Alexandra, c'est Arkham Knight qui a des soucis sur Switch. Malheureusement puisque les deux autres sont bons. En même temps ça m'étonnait aussi que Arkham Knight tourne bien, sachant que comme on l'avait dit, c'est le jeu qui a mis à genoux des PC à l'époque. Donc en vrai, j'aurais été quand même très étonné. Mes équipes s'en servent déjà pour débugger un code. Certaines sont aussi excellentes pour faire mes comptes rendus. Ben ouais. Mais en vrai, je trouve que les IA, quand on s'en sert bien et quand ça reste un outil, oh, mais attends, quand ça reste un outil, c'est pratique. Ah, j'aurais pas le temps de. Quand ça reste un outil, ouais. Faut pas donner trop d'importance non plus à ça, mais... Ouais, les IA peuvent être intéressantes. Ça reste intéressant. Par contre, il fallait que je fasse un truc en paille. Attends, au travail, oui. Tu bosses dans quoi, Calisto? Du coup, on a dit... attendez, je crois qu'il y avait chaise de jardin et table de jardin en fer tant qu'on y est. Il y avait les deux à faire. Aussi. Alors, attends. Il y avait ces deux-là à faire... Il y avait ça à faire, c'est sûr. Voilà, merci. Euh,
On a une dev qui ne faisait que du chat GPT, donc il n'a jamais réussi à sortir un truc vraiment bien fonctionnel. Bah tu m'étonnes. Ah non, mais c'est pareil, tu peux pas fonctionner que avec chat GPT, ça marche pas. Et puis ça sort des absurdités, ça fait des bonnes choses. Mais non, pas tout. Ça peut pas tout faire, je suis d'accord. Il me fallait une couronne de roses. Ah bah c'était 3 roses. Non, mais pour écrire du code, ChatGPT peut faire quelques trucs, mais après il faut aller retoucher dans beaucoup de choses, bien sûr. Coiffe chrysanthème. Je crois qu'il y avait la chasse pomme. Il y avait ça, il y avait la télé pomme et chasse pomme, je crois. Chef de projet digital. Dev Android, web, iOS, RA, VR, IA, le monde numérique et compagnie. Incroyable, trop cool. Trop chouette. Oh là, attends, il me manque des pommes. Trop cool. Libois. Ouais, mais il me manque des pommes d'abord. Je vais aller chercher les pommes. Et j'ai oublié de faire une hache. Attends, il me faut des pommes. Bon, ça va, il y en a pas mal là. Bientôt les Gotti, je croise les doigts pour Baldur's Gate 3. A mon avis, il n'y a pas trop de soucis à se faire. À ce sujet là. Honnêtement, s'il est pas Gotti, Baldur's Gate 3, ça serait très étrange. Ah, attends. Non, c'est pas lui. On a déjà donné lui. Ça serait très bizarre. Honnêtement. Soyons francs. Par contre, il faut que je me refasse une hache absolument aussi. Ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne l'épisode. La vache. Non, mais en fait, j'ai vraiment un problème avec Animal Crossing. C'est que je commence un épisode et je vois pas le temps passer. Et c'est terrifiant parce que je pensais que ça faisait genre 5 minutes qu'on avait commencé l'épisode là. Et j'ai l'impression d'avoir rien fait. En fait, on a tourné, on a parlé, on a récupéré des trucs à droite, à gauche, tout ça. Ça passe trop vite. Attends, oui, au travail. Attends, il fallait que je fasse. Alors, le bantron, tout ça, oui. C'est celui-là que j'ai pas fait. C'est celui-là. Oui, parce que c'est en fait. Ah, j'avais pas vu la petite icône comme quoi on l'avait dans les poches. C'est la première fois que je la remarque. Je l'avais pas remarqué avant. Tiens, c'est amusant. C'est amusant, je l'avais pas remarqué la petite icône avec le petit sac à côté. Du coup, on avait dit. Bantron. Oui. Ça va. Bantron. Ok. Ensuite. Attends, j'ai fait quoi là? J'ai fait le bantron. Oui. Bantron, c'est fait. Il y avait tabletron aussi. Salut à ceux qui débarquent. Hello. Ok. Ça, c'était pour là-haut. Il y avait lit bois. Ça, c'est un lit double en bois. Ça compte le lit double en bois ou c'est juste un lit bois qu'il faut? Non, c'est juste un lit en bois. Hein. Et il me manque du bois, du coup. Ouais. Je vais pouvoir faire une hache, attends. Je dois avoir ce qu'il faut pour faire une hache, voilà. Je peux même en faire deux. Quoique. Est-ce que j'ai de la place pour en faire deux ou pas? Peut-être en faire deux, attends. Ouais, j'ai ce qu'il faut, vas-y. Nickel. Perfect. Hein. Perfect. Hein. Donc... Est-ce que j'ai de la place pour récupérer du bois surtout? Je n'ai plus de place pour récupérer du bois. Donc on va aller se débarrasser de nos outils. Enfin de nos trucs là. Alors. Et du coup demain on aura les maisons. Ah non je crois que si c'est ça. Peut-être demain. Intérieur. Lit bois. Je ne l'ai pas. Ce sera pour plus tard. L'extérieur. Ici c'était table tronc et bantron. C'est ça. Donc. Elle est où la table tronc? Table tronc. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Et on va mettre le banc ici. Banc tronc. Voilà, parfait. Donc ça c'est bon pour l'extérieur. Il nous manquera plus que le lit en bois pour l'intérieur. Ici. Objet d'intérieur. Alors oui, couronne de rose, j'en ai un. Donc ça c'est bon. Parfait. Ensuite, pour l'extérieur, je crois que c'était lui qui voulait les trucs en métal. Chaise de jardin et table de jardin, c'est ça, parfait. Donc, table de jardin en fer. Quel enfer, c'est dégueulasse ici. C'est quoi, je vais le coller comme ça, de toute façon je pourrais le virer après. C'est juste pour l'installation. Et chaise de jardin en fer. Ouais, attends, tu sais quoi, par contre, je vais pas la mettre là, parce que je trouve ça pas ça joli. On va la mettre là, à la limite. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est bon pour l'extérieur. Et il me restera l'intérieur, on a dit...
Ifi bloc de bois et table bloc de bois. Très bien. On va vérifier ce qu'il nous faut ici. Ça doit être le dernier. Intérieur. Chaise pomme, télépomme et pot. C'est le pot que je n'ai pas. C'est le pot. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite. Lit de paille. Ça on l'a. On va le mettre derrière ici. J'avais laissé de l'espace. Parfait. Ok, donc il nous manque le pot. Mais avant de récupérer le pot, on va récupérer du bois pour faire ce qui nous manque. Ça sera fait. Vas-y, je fais ça d'abord et on récupère après. Ça ira plus vite. Hop là. Je vais me faire avoir avec les abeilles encore. Parfait, vas-y, c'est bon, je peux le ramasser. Et bonjour. Je sais pas encore. Un truc, c'est que pour la déco de la maison, j'aurais bien aimé avancer, mais le problème, c'est qu'il y a des plans que j'ai pas encore. Coucou. Et comme je me laisse un peu porter, je me dis que ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Ça a motivé à acheter Animal Crossing. Ah, trop cool! Tu l'avais pas? Tu vas te faire kiffer. Je vais à la Fnac là. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bonne idée. Très bonne idée. Tu vas te faire kiffer, vraiment, tu vas adorer. Tu vas adorer. C'est une merveille. En vrai, c'est une merveille. Et puis en termes de durée de vie, waouh. C'est ce que je disais. Hein. Ah, tiens. Dis-moi que je l'ai sur moi, s'il te plaît. Là, je l'ai. Oh, ça va être notre premier ballon! Boum. Oh, toujours aussi efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Un pyjama en pilou. Mignon. Oh, c'est une merveille. Salut à ceux qui débarquent. Hello. Ah, tu vas adorer. Hop là. Ah, c'est ce que je dis, la contamination fonctionne bien. ça y est, tu es piqué. Ça y est. Alors attends, on va le prendre sur celui-là. Dites-moi ceux qui ont recommencé l'aventure ou qui rejouent du coup. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont jamais vraiment arrêté d'y jouer. Mais est-ce qu'il y en a qui avaient arrêté et qui du coup reprennent avec le let's play ou pas? Salut, hello, bonjour. Hop. Moi. Ouais. Mais je suis content aussi que ça vous fasse plaisir. Genre, moi aussi. J'ai recommencé. J'avais arrêté, j'ai recommencé. Incroyable. Trop cool. Mais c'est chouette parce que finalement, on va tous avancer notre île en même temps. Et ça, je trouve ça bien. Qu'est-ce qu'on avait dit qui nous manquait? Qu'est-ce qu'on avait dit qui nous manquait? Lit en bois, ifi, table et pot. Je crois que c'est juste ça qui nous manquait. Je crois que c'est juste ça. Non, pas là. Il y a le pot. Le bloc de bois, ifi et tout. Des conseils pour attraper le Dayu. Pêcher. Beaucoup. Voilà, je vois que ça, tu vois. J'ai kiffé la première que j'ai faite, je ne vois pas la détruire. Je sais bien. Je sais bien. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop hésité. J'adorais mon île. Genre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'avais envie de recommencer en stream, là. Tu vois. Trop occupé à battre ton record sur Suka Game. J'ai pas réussi à faire plus. Je suis toujours à 3030, j'avoue. J'ai pas réussi à aller plus haut. Alors, il nous faut un pot. Le pot, il est là. Parfait. Oh non, il manque mon argile que j'ai laissé là-haut. Attends, ici bloc de bois. Oui, mais il nous faut de jeux blocs de bois. Non, ça c'est le jeu d'anneau. Jeux blocs de bois. Donc, il faut que j'en fasse deux. Il faut que j'en fasse deux dés comme ça pour faire la table. Et attendez, c'était la chaise ou... Je sais plus. Non, c'était ça, c'était ifi bloc de bois. Ça, oui. Attends. C'était peut-être juste je bloc de bois et ifi bloc de bois, alors. C'était peut-être juste ça. Peut-être. Peut-être juste ça. Attends, je vérifie quand même. J'avais pris la capture. Ifi bloc de bois et table... Ah, c'est la table, c'est la table bloc de bois. C'est ça. C'est la table bloc de bois. Attends. Elle est où la table bloc de bois?
Ah oui, il faut que je remonte, évidemment. Tape bloc de bois, là. Ah bah là, oui, à part pêcher en boucle jusqu'à le choper, il n'y a pas d'autre conseil. Hein. Et il nous manquait le lit en bois, parfait. Et du coup, j'ai plus mon argile que j'ai laissé... Je l'ai laissé en bas à droite de l'île, je crois. Je vais aller le chercher. Ouais, j'avais échangé je sais plus quoi contre ça. Hop là. Et après, faut qu'on donne tout à Tigou aussi. Et qu'on aille sur une île. Absolument. Ah oui, il y a ça à faire, il y a lui aussi. J'avais zappé. Attends, je vais le faire tout de suite, lui. Bouge pas, mon cochon. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Mais ça fait déjà deux fois qu'on le voit en 4 jours. C'est rare. C'est rare qu'on le voit autant. C'est même très étonnant qu'en 4 jours, on le voit deux fois. Après, c'est une fois par semaine, peut-être. C'est peut-être pour ça, vu qu'on... Ouais, peut-être. C'est peut-être pour ça. Mais il me... Ouais, non, c'est peut-être une fois par semaine. Il me semblait pas que c'était autant. Ah, c'est parce qu'après, il y a son pote aussi, je crois. Il y a l'autre, hein. Ah, je pense que c'est ça, en fait. Ouais. Ça y est ? Attends, j'en ai 5 ? Attends. Non, 3, j'en ai 3. Pomme. Non, tant pis. Attends. J'en ai 3. Ah, 4. On est d'accord. Et le cinquième. Là, là. Voilà, parfait. Allez hop. On va lui ramener ça. Et vous avez déjà une idée pour votre île, ceux qui viennent de commencer ou pas? Non, j'ai pas pris les navets, je les ai pas pris. J'ai pas pris les navets. Je les ai pas pris. On les prendra dimanche prochain. On avait dit qu'on les prenait pas ce dimanche. Voilà, parfait. On avait expliqué que on les prendrait pas. Ouais, on vérifiera demain matin pour le courrier. Allez hop. Donc ça c'est fait. Ouais, on aura aussi plus d'argent pour en acheter davantage. Après, on fera ça ensemble. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des navets, si vous avez des trucs, on verra ça ensemble pour aller revendre les uns chez les autres. Toujours, on essaye de faire ça. Et donc, il nous faut... Attends, j'ai récupéré mon argile, il y en a assez ou pas? Bah, je crois que ça suffit. Pas de thème pour le moment. Je le fais avec ce que le jeu me donne en fonction de l'envie du moment. Je valide. Je me demande si je referais pas un petit quartier un peu japonais quand même. J'avais adoré, c'était sur la première île que j'avais fait ça. Après, il y a aussi les fruits et les légumes maintenant. Surtout les légumes. Il y a surtout les légumes qu'on n'avait pas au tout début, quand on avait commencé le pot. Donc je me dis que ça pourrait être très sympa de faire un espace vraiment agriculture, tu vois, avec des petites plantations, des machins, des trucs. Sachant qu'après, quand on ira sur les îles de loups, on aura la possibilité d'acheter les champs de blé, qui sont pour moi le meilleur objet du jeu. Enfin, qui est pour moi le meilleur objet du jeu. Alors, le champ de blé, genre vraiment, c'est le truc que je préfère dans le jeu. Intérieur, lit en bois, déposé. Oui. Allez hop, ça c'est fait. Voilà. Ça c'est fait pour cette maison-là. Ah, ça aurait vraiment été l'épisode des maisons en construction. Ifi et table, vas-y. Ifi et table. Ça c'est fait. Et là il nous manquait juste le pot. Intérieur. Et déposer le petit pot. Et voilà. Ça c'est cool. Voilà. Parfait. Ok. Parfait. Ce sera un épisode vraiment dédié aux constructions là. On va retourner voir Tom Nook déjà. Attends, je l'ai récupéré ici ou pas? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de l'avoir récupéré ça.
Coucou à ceux qui débarquent, hello. Ah, je l'avais pas récupéré, cool. Il faudrait qu'on fasse aussi de la plongée, un peu. Ça serait pas malin. Ah, mais attends, j'avais encore des fossiles à lui donner aussi. Bon, on amènera tout ça à Thibou après. Allons voir Tom Nook, pour dire que les maisons sont terminées, déjà. On va pouvoir faire les célébrations du musée aussi. Il n'y avait pas un truc, genre un... Qu'on s'appelle une mission, genre pour célébrer les célébrations. Je sais plus. J'ai fini. Oui. Oui, j'ai fini. À partir de maintenant, tu n'auras plus rien à faire. Ok. Je tiens à ce que je chantais soit mené très vite et très bien. Quand même, une nouvelle tête se présentera dès demain. Cool. Ok, par contre, j'indiquerai le nom des nouveaux venus dans la pancarte de leur parcelle quand je le connaîtrai. Très bien. Que te dit-il, le gratuit? Ah, pour info, on tournera l'épisode de jeudi, l'épisode qui sortira jeudi matin sur la chaîne. On le tournera mercredi soir, puisque je rentre mercredi soir de voyage. Mercredi soir, on prévoit un petit stream. Du coup, ça nous permettra aussi d'avoir le premier stream de nuit d'Animal Crossing. Donc voilà, pour info, mercredi soir, on fera ça. Ça sera cool. Ça peut être cool. On va regarder ce qu'il a comme barrière d'ailleurs. Allez, vas-y. Tiens, attends, on va aller voir un petit peu. Oui, il y aura des décos de Noël après, à partir du 10, il y aura des décos de Noël, ouais. Il y en aura. Muret en briques, muret en pierre sèche. Bon, je vais les acheter quand même. Je vais acheter le muret en briques. Et je vais acheter le ticket Miles Nook aussi. Pour aujourd'hui. Vas-y. Ça c'est fait. Veux-tu acheter autre chose? Oui. Je voudrais le ticket Miles Nook pour aller sur l'île. On n'oublie pas d'aller sur l'île évidemment. Si on tombe sur une île, cool. Mais ouais. Ouais, mercredi soir, petit stream Animal Crossing, tranquille ou au calme, puisque je rentrerai. Je pense que je rentrerai dans l'après-midi de mercredi, mais le temps de me poser et tout, ça permettra de. Ah oui, c'est vrai, je peux pas faire ça là. Voilà, ça, on fera ça. Puis ça permettra peut-être de voir aussi le fantôme, d'ailleurs, parce qu'on l'a pas encore vu. Ce sera cool. Alors, je vais poser les premières barrières à ce moment-là. Où est-ce que je pourrais en mettre? Pourquoi je vais en mettre là? Regarde, on passe jamais là. Oui, le ballon dans l'eau, c'est un succès Miles Nook aussi, ouais. Absolument. Voilà. Je mettrai un arbre au coin, donc j'en mets pas. Voilà. Elles sont sympas ces barrières en plus. Je mettrai un arbre. Hop là. Je crois que c'est un succès aussi ça, de mettre les barrières. Si je dis pas de bêtises. Hop, j'ai toujours pas trouvé mon deuxième villageois. Aucune idée d'où il est. Faut en mettre 20. Bah, j'en ai mis plus de 20 là, non? Ah non, ça y est. Ok, on y est, c'est bon. Parfait. Ouais, c'est ça. Ça doit être 20, ouais, t'as raison. Là, l'allure de clôture. Bah, j'en ai mis 26, hein, tu vois. Ouais, on pourra personnaliser tout ça plus tard. Du coup, Miles Nook plus, ça c'est bon. C'est quoi? C'est vendre 5 fruits, ça. Ouais, vendre 5 fruits, ok. J'en ai sur moi ou pas? Oh, bah, j'en ai plein sur moi. Cool. Alors, muret en briques, j'apprends. Donc ça, c'est cool. Attendez, que j'oublie pas, parce qu'on avait dit qu'il y a plein de choses qu'il fallait qu'on fasse. Déjà, on va aller vendre les fruits, déjà. Attends. Non. Bon, bah attends, je le récupère. De toute façon, il fallait que je le donne à Nook. Enfin, à Thibou, ça. Oui, je sais. À ce moment-là, toute la collection, là, on le donnera au musée dans le prochain épisode. Ça sera pas mal, hein. Ça sera pas mal, hein.
Aujourd'hui, c'était vraiment le focus sur les constructions. On prend notre temps. C'était vraiment les focus construction, genre maison en construction. Achète-moi des trucs, oui. Et on va aller rembourser notre prêt aussi, parce qu'on a largement ce qu'il faut. Je vais vendre les fleurs tant qu'on y est. Je vais vendre ça. Et qu'est-ce que je voulais lui vendre? Ah oui, les pommes. Voilà, comme ça on aura notre mission faite. Même double mission, puisque je rappelle qu'il y a quand même des fruits à vendre. Donc, ça c'est fait. Ok, ça c'est bon, parfait. Donc ça, les maïs nouk remontent un petit peu. Bon, ça va aller vite, échanger des maïs nouk et à dépenser des clochettes. Oui, on verra. On verra bien. On verra bien. Il reste des ballons derrière, ouais. Il en reste beaucoup même. Il en reste pas mal. Donc. Ah bah attends, je le vois. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Il est là. Ah, il se cachait derrière un arbre en fait. Ok. Bon, c'était juste ça, non? Ouais, vas-y, c'est juste ça. Je vais faire le truc qui est là aussi. Donc, dans l'ordre, on va aller donner les fossiles à Thibou. On va. Il faut qu'on aille sur l'île aussi. Ouais, on va être bon pour l'épisode en termes de durée. Hein. Un petit chocolat chaud, le plaid, la Switch allumée, UMB à côté, on est bien pour affronter l'hiver. Oh. J'aime, je valide. Je valide. Des nouvelles de Banana. Ah, tu ne regardes pas la chaîne cuisine alors, Yunkel. Banana est sur la chaîne cuisine. Oui. Merci Alexandra qui fait un sub. Et vous savez ce qui se passe quand il y a un sub? Boum! Le ballon. Merci Alexandra. Merci beaucoup. Alors par contre, mes fleurs m'embêtent un peu. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ah si, parce que là, ça... Attends. Non, je vais devoir virer les fleurs parce que là, ça doit être le rocher à clochette. Ouais, forcément. Ça doit être le rocher à clochette, ça. Il m'en reste une. Ouais. Et il y a un ballon qui arrive quelque part. Attends, il est où? Il est par là. Il est où? Attendez. Il est où? Là. Oui. Alors. Bam. Ah, attends. Ah là, précision. Voyons voir. C'est déjà notre deuxième. Jeu d'équilibre traditionnel, je prends. Et merci pour le sub que t'as offert, c'est vraiment, c'est super généreux, merci beaucoup. Ça aide la chaîne, ça augmente notre objectif vers le live speed dating, qui va être très cool. Je vous rappelle qu'on organise un speed dating pour Léo. Ça va être très chouette pour le 15. Si on a atteint avant le 15, ça serait cool. On verra. Ça doit être le rocher à clochette, ça. Ah, même pas. Ah, je pensais. Ah, je pensais que ça allait être celui-là. Du coup, je me demande si c'est pas celui qui est là-haut. On l'a fait, celui qui est là-haut? Parce que je me perds dans les rochers qui sont présents sur l'île. Hein. Je vais replanter mes fleurs. Vas-y, on va mettre là. Bon, en vrai, je peux en mettre là. Je peux en mettre là, regarde. Un parterre de roses devant chez moi. C'est sympa aussi. Voilà. Parfait. Et... Donc ça c'est fait, je l'ai... Ah si si, on l'a fait, on vient de le faire celui-là. Donc ça c'est les cerisiers qui sont là. J'ai des petites choses à stocker quand même, avant d'aller sur l'île. On va voir. Il faudrait qu'on personnalise notre maison aussi, qu'on fasse au moins un lit un peu plus sympa que ça. Après ça qu'on n'a pas eu grand-chose, je ferais bien un lit. Et j'ai de quoi faire un lit ou pas? Attends, attends, je suis bête. J'ai pas un établi sur moi? Non, je crois pas. Hein. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Attends. Tu sais quoi? On va mettre la photo des villas de loups, genre là. Je peux le mettre là ou pas? Non, pour l'instant, je peux pas. Ah, pour l'instant, j'ai rien chez moi. Ça ressemble à rien du tout. Pour l'instant, ça ressemble à rien du tout. Ça ressemble à rien du tout pour l'instant chez moi. Ah, mais non, la photo, ça doit être sur un truc. Je peux pas. Entreposer. Ah, il y a le prêt. Attendez. Il y a le prêt. Oui, la plante, c'est totalement mon style. Mais je crois d'ailleurs je peux en racheter une plante. Vu que je l'ai déjà. Vu que je l'ai déjà acheté une fois. Enfin, que je l'ai déjà eu. Normalement.
Je dois pouvoir en avoir une là. Je vais en acheter deux ou trois des plantes comme ça serait cool. Parce que je les adore. Je les adore. Alors, on va y voir. Il ne doit pas y avoir grand chose à racheter pour l'instant. Oui, Nook Shopping. Nook Shopping, article spécial. Non, c'est pas article spécial, c'est dans catalogue, c'est ça. C'était dans le catalogue. J'étais pas sûr. Tiens, là, voilà. Monstera, oui. Une, deux. Ouais, trois Monstera, parce qu'on est des fous. Et ça sera très bien, en vrai. Ça sera très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans les articles spéciaux? On s'en fiche. Je joue à Dragon Quest Monster. J'arrive dans la zone où les monstres squelettes garantent une vidéo. Ah oui! Ah, mais incroyable ce jeu. Profite bien, profite bien, profite bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Très bien. Voilà, donc ça c'est bon. Parfait. J'en profite aussi vite fait. Tant que j'y suis. Échanger des maïs nous parce qu'on a la petite mission avec. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait. Ça, je l'ai déjà acheté. Petite vérification. Avec le sac à dos est sympa en plus. Motif perso. Tu sais quoi, je vais m'acheter le petit sac à dos. Oui. Voilà. Non, c'est bon. Je trouve mignon. Hein. Voilà, comme ça en plus j'ai fait ma mission. Ça me rapporte quelques maïs. Parfait. Voilà. Ensuite, donc, ça c'est... Ah, attendez, je voulais que je regarde si j'avais pas assez pour faire le lit en bois. Ouais. En fait, je me rends compte qu'il y a tellement de choses que je veux faire en même temps que j'arrive pas à me diriger. Je me dis, attends, faut que je fasse ça. Et puis en fait, en route, je me dis, attends, je peux faire ça. Et puis après, ah, il y a encore ce truc. Mais c'est génial, hein, c'est ce qui fait qu'Animal Crossing fonctionne bien. Hein. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire tellement de trucs en même temps. Alors, voyons voir, le lit double en bois, qu'est-ce qu'il me faut? Il est où mon lit double en bois? Il doit être en bas. Non. Lit double en bois. Là. Mais avant, il me faut du bois. Il faut 32 bois. Ah oui, c'est 32 bois comme ça. Et j'en ai... Ah oui, j'ai pas du tout de bois comme ça, en fait. Comme par hasard, c'est le seul bois qui me manque. On va aller sur l'île. On va aller sur l'île mystère et on verra. On verra une fois là-bas. Et oui, c'est notre nouvelle vie dans Animal Crossing. On va aller sur une île mystère. Je vais d'abord stocker tout ça. Ouais, c'est notre nouvelle vie. Alors, on va stocker tout ça, déjà. On va commencer par ça. Donc, entreposer. Entreposer. Ça, je le garde puisque je vais lui emmener. Entreposer. 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 Voilà. En plus, on a pas mal de place. Je vais pouvoir choper pas mal de choses sur l'île. Et il faut qu'on rembourse le prêt de Tom Nook. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. Très important. Très important, le prêt. Comme ça, demain, on aura aussi notre nouvelle maison. Donc, l'épisode s'appellera vraiment genre maison en construction. Ce qui sera totalement justifié. J'essaye vraiment de trouver des noms d'épisodes qui correspondent vraiment à ce qu'on fait. Pas mettre genre épisode 4, épisode 5, épisode 6. Là, le précédent épisode, c'était un pont sur la rivière. J'ai vraiment... On sait exactement où on en est, tu vois. Et je trouve ça important. Comme ça, si vous voulez chercher un épisode, vous saurez exactement à quel moment de l'aventure on en est. Ok, ça c'est bon. Donc. Oh, Sommerdou, comment tu vas? Non, j'ai pas encore de thème pour l'île, c'est ce que je disais. En tout cas, on fera pas un thème pour rat. Pardon. Ah, c'était gratos, c'était gratuit. Ça me fait plaisir. Oh, la fatigue. Waouh. C'est gratuit. Je vous l'offre. Je vous l'offre. Je suis covidé. Ah, merde. J'espère que ça va aller. J'espère. Repose-toi bien, surtout. Surtout. Utiliser le DAC. Rembourser le prêt. Clochette en poche. Oh là là, ça fait bizarre. On va plus rien avoir en poche. Oh là là. Et voilà, ça y est. Il nous reste 1200 clochettes. Crédit, c'est fini. Mais tu m'étonnes.
Bon, allez. Le pire était ce week-end, donc pas besoin d'arrêter de travailler. Ah, oui, fais gaffe quand même. Fais gaffe quand même. Mais rétablis quoi bien. Non, parce que c'est pas forcément sur le moment le pire. C'est un petit peu après, on sait jamais. Mais t'avais réussi à y échapper en plus, je crois. Donc, attendez, que je remette mon petit bracelet qui m'a mis. Voilà. Donc, je veux effectivement une maison plus grande. Bonjour. En quoi puis-je être utile? À propos de ma maison. Une pièce plus grande. Oui, 198 000, la vache. C'est vrai. Alors, la couleur du toit. Jaune, toujours. Et demain, on aura notre nouvelle maison. L'épaule, ça va. Mieux. Encore un peu mal, mais ça va. Bon, en fait, c'est que la douleur, maintenant, est diffuse dans le bras. Donc, ça va passer, c'est normal. Ah oui, c'est vrai que j'ai tout ça à faire. Ça va passer avec l'ibuprofène et tout, c'est ce que je disais hier. Ça va mieux. Disons que je peux lever le bras jusque là, quoi, maintenant. Après, ça me fait mal. Mais voilà. Voilà. Et on aura un nouvel habitant. Alors, demain, on aura un nouvel habitant. Trois nouvelles maisons construites, enfin, au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'on a d'autre demain, du coup? Bah, pas mal de petites choses, en fait. J'ai jamais terminé mon île. Bah, moi, ça fait deux fois que je la recommence, du coup. Une fois parce que j'ai été obligé. Voilà. Et bah, là, parce que pour le mois de décembre, on a dit qu'on voulait faire une nouvelle petite aventure. Voilà. Tiens, bah, Summer, t'as quoi sur ton île en fruits? Tu te souviens ou pas? Comme ça, je viendrai chez toi, je te piquerai des fruits. Allez. Moi j'ai la cerise. Les cerises, je les ai déjà. Cerises, j'ai. Et bah, en fait, c'est tout le reste que j'ai pas. Genre l'arbre à cul, l'arbre à poire. Et je sais plus. Je sais plus pour l'autre. Celui qui me fait le plus marrer, c'est l'arbre à petit cul. Vraiment, j'aime l'appeler comme ça. Alors, tu veux participer à une série de menus d'inauguration? Oui. Vas-y, on va le faire tout de suite. Tu vois, en fait, je peux juste lever le bras pour boire maintenant. C'est pratique. Faut pas me demander de lever les bras au-dessus de la tête, hein. C'est pas possible. Je peux pas me faire arrêter. Les mains au-dessus de la tête, je peux pas. Dépêchez-vous, je peux pas. Pardon. Allez. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire les inaugurations? Je sais pas. À tout hasard, on sait jamais. Si jamais c'est une mission, au moins, ça sera fait. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Puis ça enlève une ligne de dialogue à Tom Nook. Donc voilà. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Et donc je rappelle maintenant, le prochain objectif des subs, c'est le stream speed dating à 1000. Toujours dans le respect, évidemment. Alors il y a des gens qui me disaient tout à l'heure, j'ai pas compris ce que c'est. On fera ça soit par le chat, soit par Discord, si vous voulez vous exprimer à l'oral. Ça sera... J'hésite entre 5 et 10 minutes par personne, parce que 10 minutes, ça fait peut-être beaucoup. Faudra voir combien on a de participantes. On verra. Mais je pense que ça va être très sympa. Je sais pas, faut qu'on voit. Mais 10 minutes, ça me semble beaucoup. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont faire une inauguration du pont aussi. Ah oui, il y a l'orange aussi, c'est vrai. Il y a l'orange, la poire et bah, du coup la pêche, c'est vrai. Exact, c'est ça. Exact. C'est ça. Exact. Allez. Noix de coco, c'est bon, on les a récupérées sur l'île. Ça, c'est bon. Noix de coco, c'est fait. On est bon. Pa, pa, pa.
Qui a volé, a volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Absolument. Donc ça, c'est fait. Le prêt est remboursé. On aura notre plus grande maison demain. On a amené ce qu'il faut à Thibou. Eh bien, écoutez, on va pouvoir aller sur notre île mystère pour aujourd'hui. Très bien. Allons-y. Ça, c'est cool. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Je vais peut-être... Bah, j'achèterai ce qu'il faut là-bas, au pire. Non, ça me paraît pas mal. Ah, mais c'est cool, le pantado, tu vois. Je vois que l'idée était bonne. Bah attends, je vais la ramasser, ça. Hop là. Allez, let's go. Notre île mystère, pour terminer notre épisode, normalement. Je me souviens qu'à l'époque, lors du premier Let's Play d'Animal Crossing, on terminait quasiment toujours notre épisode par une visite d'île mystère. Quasiment. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était vraiment la tradition du truc. Et je trouvais ça sympa parce que c'était vraiment la petite surprise de fin. C'est évidemment... Alors, pour info, pour ceux qui ne se jouent pas à Animal Crossing, si vous découvrez Animal Crossing avec ce Let's Play, les îles mystères, ce sont des îles... Spoiler, mystère. Donc, eh bien, il peut y avoir... Suspense. Il peut y avoir des îles géniales avec que des fleurs hybrides. Il peut y avoir des îles spéciales où il y a que des où il y a que des rochers qui donnent des clochettes. Il peut y avoir des îles avec bref, il peut y avoir des îles de toutes sortes avec des trucs assez uniques sur certaines îles. Et donc c'est toujours la surprise quand on arrive. Alors ça peut être à l'île à bambou aussi, qui est cool. Ou alors ça peut être des îles pourraves. Voilà. Genre là c'est une île pas ouf. Mais ça nous permet de récupérer pas mal de choses quand même. Là, l'île est pas dingue. Voilà. L'île est pas fifou. Fifou. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce qu'il y a là. Il y aura peut-être un habitant supplémentaire aussi. C'est possible parce qu'il y a des habitants en plus des fois. Je vais récupérer ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, donc Summer, tu te souviens ou pas des fruits que t'as sur ton île ou pas? Alors. Alors voyons voir. Est-ce que j'avais atteint Est-ce qu'on avait atteint l'objectif des mauvaises herbes? Oui, ah, c'est 2000 maintenant, la vache. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Allez, hop. Ah oui, c'est vrai, l'île au scorpion. Bah oui, mais là, c'est pas la période. Ah, quoique, sur les îles mystères, on peut tomber sur tout un tas de trucs, c'est vrai. Il y a pas l'île au migal, là? Je sais pas, est-ce que le bug de l'île aux tarentules existe encore? Ça, c'est une grosse question. Ah. Je sais pas. Je crois qu'il l'avait patché. Ah, c'est l'île aux hybrides qu'ils ont enlevé. Ils ont enlevé l'île aux hybrides, mais l'île aux tarentules, on peut plus, hein. Il a été réglé, le bug. Ah, ouais. Ah, dommage. 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 Non, je crois pas. Ah! Quelqu'un dit que non. Ah, donc on n'est pas sûr. Donc on n'est pas sûr. Intéressant. Théoriquement, c'est pas un bug. Bah, théoriquement, c'est pas un bug. Non, mais... Ça avait été utilisé comme un bug. Mais ils avaient réglé un peu ça, ou ils avaient empêché justement que ça puisse apparaître de cette façon-là. Ils avaient un peu travaillé là-dessus. Donc c'était pas un bug, c'était juste de l'exploitation de ressources du jeu. Mais ça a été patché, il me semble.
Parce qu'en fait, le jeu permettait, alors pour ceux qui ne connaissaient pas ce bug, entre guillemets, qui n'était pas un bug, en fait, le jeu fait apparaître un certain nombre d'animaux et de choses sur l'île, sur une île. Et donc, en fait, il y a certaines îles désertes où, en fait, quand on rase l'île, qu'on coupe tous les arbres, qu'on détruit tous les rochers, etc., on pouvait utiliser cette espèce de bug de ressources du jeu où, finalement, il ne restait plus rien sur l'île. Donc, il suffisait simplement d'attendre pour qu'il y ait la seule chose qui pop était une tarentule. Et donc, au final, on attrapait la tarentule, on attendait encore un peu, et il suffisait d'attendre un peu pour que ça repop, etc. Et comme il n'y avait plus rien d'autre que ça, potentiellement, sur l'île, ben, ça apparaissait. Et on avait fait ça, on l'avait fait d'ailleurs sur notre première partie, parce que c'était génial. Et puis, en fait, les tarentules, il faut savoir que ça coûte très très cher. Et donc, c'était vraiment un gros avantage, parce que tu pouvais récupérer plein. Tu pouvais te faire un inventaire complet de tarentules, si tu te faisais pas piquer. Tu revenais, t'avais les poches pleines, quoi. C'était génial. Hein. C'était trop trop bien. Mais ouais. À ce moment-là, on va aller utiliser notre maillot de bain, là. Parce qu'on a un peu de place dans l'inventaire, je crois. On va peut-être pêcher un peu aussi. C'est peut-être des poissons que j'ai pas. Je crois que les poissons sous les cascades, c'est des poissons un peu différents. Mais ouais, non, cette exploitation de ressources du jeu était trop bien. C'est trop cool. Hein. Allez hop. Ouais, puis si en plus t'avais Jason sur ton île et que tu lui revendais ça, c'était en x2 ou x1,5, je sais plus. Je sais plus si c'est x2 ou x1,5 pour lui revendre en plus. Hop là. Attention, là on va nous faire un plongeon après. D'abord on attrape quelques poissons que j'ai peut-être pas. C'est x1,5, hein, c'est ça. Hein. Ouais, ça je l'avais pas, la vandoise je ne l'avais pas. Mais j'étais pas sûr que c'était 1,5 justement. Mais ça aurait été bien x2 aussi. Oh là, ça sent le... Ça sent le... Comment ça s'appelle? Le zut, le machin aux œufs d'or là. Comment il s'appelle? J'ai plus le nom. Ah bah non, raté. Raté, c'est un brochet. Mais c'est bien aussi le brochet. C'était l'esturgeon, merci, je cherchais. Merci. Merci. Je trouvais plus le nom. Je trouvais plus le nom de ce poisson. Merci. Hop là. Je ne trouvais plus le nom. Les œufs d'esturgeon, évidemment. Ah, non. Évidemment, je le mets mal. Attends, bouge pas. Ah, le relou. Là, ça devrait être bon là, normalement. Voilà. Ouais. On avait déjà. Allez, on descend là. Ouais, il y avait les guêpes aussi. Tu pouvais en choper pas beaucoup, mais tu pouvais en choper quelques-unes par jour. Et le Ororo, ça va? Donc ça on l'avait déjà, mais c'est pas grave, au pire ça se revend très bien. Alors, voyons voir s'il n'y a pas quelques petites guêpes. Et surtout notre meuble. Décidément, je trouve plus mes mots aujourd'hui. Notre meuble dans l'arbre. Et on va continuer à en attraper quelques-uns parce que ça permet d'avancer la mission. Bah ça va, écoute, ça va très bien même. Bon, on arrive à la fin de l'épisode là, mais ça va. Malheureusement, on va être obligé d'arrêter notre épisode après. Déjà. Hop là, 2. On est à 2 sur 5, je crois. Ah ! Merci Bilou pour ton resub. Merci beaucoup. Bouge pas. Hop là, un ballon. Un sub, un ballon. Ouf, oh, celui-là il était gonflé. Celui-là il était beaucoup gonflé. Merci Bilou, merci beaucoup pour ton resub. Merci énormément. Trop de bonne idée de reprendre ce jeu, bah évidemment. La base. Bah c'est bien pour les fêtes de Noël. Hein. En plus quand il y a le neige qui va apparaître là à partir du 10. J'ai trop hâte.
trop hâte. Pourquoi je trouve pas mon meuble? Ah, le voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Transat de piscine. Ah bah attends, tu peux le garder, pas obligé de le jeter. Ouais, on verra plus tard pour les fruits et tout. Mais c'est gentil, on verra un peu plus tard. Bah évidemment, je l'ai mal mis. Oh punaise, je suis bête. Bon, heureusement que c'était pas la chaîne que je vais pas briser. Quelle merveille la neige, quelle merveille. Bon, on l'avait déjà, carassin. Allez, viens là toi. Ça va encore être un carassin, tu vois. Voilà, c'est ce que je disais. Il me reste 3 places. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'était les ceux-là. Ok. Il me reste 3 places. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller... Bah attends, tiens, regarde. Ça m'intéresse, ça avance notre mission. Hop là, il me reste 2 places, on va aller juste chercher des trucs. En Franche-Comté où j'habite, c'est tout blanc. J'arrive. J'arrive. Alors, Mario RPG, oui. Et bah, on va pas tarder à le terminer aussi. Il doit nous rester quelques petits épisodes à faire là pour le let's play. Il doit pas nous rester grand chose. Ah, je l'avais déjà, c'est pas grave. Il me reste une place. Ouais, il me reste une place. Là. Non, ça c'est pas du Wakame. C'est bon. Ah, je sais pas ce que c'est ça. Je dirais genre une moule ou une huître. Ah non. Ah cool, je l'avais pas. Turbo. Cool. Bah très bien. Oh bah attends, bouge pas. Oula, ça bouge ça. Ça, ça bouge. Oula, dis donc. Viens ici toi. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Huître perlière. Je crois que l'huître perlière rapporte pas mal. Hein. Je vais prendre à sa place du carassin. Vas-y. Alors, vas-y, on y va. Allez, let's go. Et ben, j'ai récupéré tout ce que je voulais sur l'île. Donc, on y va. Je veux rentrer, on va aller vendre ce qu'il faut vendre. On va aller mettre de côté ce qu'il faut mettre de côté et on est bon. Je me suis remis à poncer ma Switch en ce moment, en rejouant Animal Crossing, quel plaisir, grave. Mais surtout sur la Switch OLED, c'est ce que je disais, en vrai, visuellement, la Switch OLED avec Animal Crossing, c'est assez impressionnant. Alors, il faut que je dépose l'huître perlière, je crois que je l'avais pas mise encore. Si, je l'avais déjà, attends, je l'avais déjà. Oui, on a fait des Detective Pikachu, il m'a pas plu, il m'a pas plu. J'ai été très frustré par Detective Pikachu. La Vandoise, je l'avais pas encore. Et j'avais dit que le brochet, je l'avais pas, je crois. Je crois que je l'avais pas le brochet. Hein. Non, je l'avais pas. Parfait. Non, pas de navet cette semaine. Et le reste, on peut aller le revendre. Sauf le transat de piscine que je vais mettre par là. Pourquoi je vais le mettre là, juste pour le... Regarde ici, là. Ah oui, c'est celui-là, cool. Ah bah très bien. Voilà. Parfait. Et le reste, on peut le revendre, sauf... Sauf peut-être de quoi se faire... Attends, attends qu'on y est, on y va. Hop là, merci. Ok, bah attends, je vais revendre ça. Tiens, bah attends, hop, paf. Parfait. Ça fait avancer la mission. Je sais plus combien on en a à... tout ce qui grouille.
Et ça, c'est en trouvant des insectes, pas bébêtes, c'est ça. 51 sur 100, on est. Ok, c'est ça. Ouais, ça en faut pas mal. Hein. La mission est longue, en fait, sur celui-ci. Je me souvenais pas que c'était aussi long. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Achète-moi des trucs. Ça. Oh bah écoute, je vais lui vendre. Non, je vais pas lui vendre ça. Ça, c'est bon. Ah, bénitier géant! Incroyable! Attends, j'ai chopé un bénitier géant? Ah oui, mais non! Non, c'est le truc qu'on a récupéré sur la plage, oui. Attendez, le bénitier géant, je vais le garder. Parce que je crois qu'il y a une quête dans très longtemps dans le jeu qui nécessite d'en trouver pas mal. Et ils sont galères à trouver, je crois. On va le garder. Oui. Attends. Non. Évidemment que non. Corne d'abondance, donc ça, évidemment. Ok, non, le bénitier géant, on va le garder. Je me souviens que dans la première game, on avait galéré à le trouver parce qu'il en fallait genre 5, je crois. Et que c'était chaud patate. Hein. Ouais, par contre, on commence à avoir des trucs ici. Hein. Tout ça, c'est pour le musée. On fera ça demain. Tout ça, là. Vas-y, je vais stocker mon bénitier géant. C'est trop long de devoir attendre un jour à chaque fois pour Animal Crossing. Mais non, c'est ça qui fait le plaisir. C'est ça qui fait le plaisir du jeu. Au contraire. Bon, après, je peux comprendre, mais moi, je trouve qu'au contraire, c'est ça qui donne le plaisir de Animal Crossing. Écoutez, je veux juste terminer en créant mon lit. Non! J'ai laissé la hache, s'il te plaît. Attends. Oui, non, mais reviens. Allons-y. Un petit goûter s'impose. Bon goûter. Bon. Ah, je pense que l'épisode de mercredi matin aussi, mais ce sera un épisode de nuit. Ça sera cool. Ça sera cool aussi. Alors, il nous fallait du bois pour faire notre lit. Donc on va commencer par ça. Je vais faire ça que sur les arbres qui ont des pommes pour l'instant. Parce que sinon on va se faire avoir. Je sais très bien ce qui va se passer sinon. Oui, alors évidemment, je peux pas. Non, attends. Avant de faire ça, on va la jouer beaucoup plus finaude. Parce que sinon, je vais me faire piquer par les abeilles, je le sais. Je le sais très bien. On va d'abord secouer quelques arbres pour vérifier. Ouais. Ouais, les couleurs de fin de journée sont chouettes d'Animal Crossing, je suis d'accord. Je vais secouer tous les arbres un à un pour être sûr de ne pas me faire piquer. Je suis d'accord, c'est bien d'avoir un jeu chill et pas un truc genre où tu peux... qui est trop rapide. Moi, je trouve ça bien pour Animal Crossing. C'est ce qui fait le charme du jeu, hein. Roblox, bah non. Bah, ça m'a jamais tenté. Faut que je le teste. Faut que je le teste, mais ça donne... Je sais pas, ça m'a jamais vraiment donné envie d'extérieur. Je sais pas. Non. Enfin, jusque-là, ça m'a pas tenté, en tout cas. Je cherche mon meuble aussi en même temps. J'ai déjà fait tout ça? Ouais, mais les légumes, j'en ai pas encore dans le jeu, là. J'en ai pas encore. Je l'ai pas déjà fait, ça? Ah non. Bon, bah très bien, écoute. Quelqu'un se souvient de combien il fallait de bois pour le lit ou pas? Je sais plus. Je sais plus du tout. Ah, j'avais déjà fait. C'était 30, wesh. Ah, c'était le lit double que je voulais. C'est 30 pour le lit double, ok. Bon. Ouais, mais le lit simple, non. Lit double, c'est bien lit double. Toujours avoir un lit double. Ça, c'est l'arbre à clochette que j'ai mis là. Allez, hop. Ah, mais alors, si je tombe pas sur les bons bois, ça va pas le faire. J'en ai deux ici. Non, c'en est un. Attends. Non, c'était le clair, ça. Et je suis bête parce que j'ai pas pensé à en récupérer sur l'île mystère. J'ai pas pensé. J'aurais dû.
Ah, j'en ai 9. Hein. J'y ai pas pensé. Salut. Hello, bienvenue. Ah bah en plus j'ai plus de... J'en ai plus. Attends. Ouais, il faut que j'aille en faire une, hein, au moins. Ah bah tiens. Ah mais ça doit être pour casser mes instruments, ça. Ouais, la casse, ça paye. Ok, j'en ai déjà cassé 20, cool. On va continuer à s'en faire quelques-unes comme ça. C'est l'avantage. C'est l'avantage du début du jeu, parce que t'as besoin de beaucoup de ressources. Donc c'est conseillé de faire ça. Alors. Style établi, oui. Ah par contre, ouais, mais je vais utiliser du bois, non? Non, je crois que j'utilise pas de bois. Non, c'est des branches, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bon. Je viens de voir que le champignon élégant vaut 10 000. Ouais, c'est la truffe. Hein. Ouais, mais c'est en automne. Hein. Mais c'est la truffe, en fait. Le champignon élégant, c'est la truffe. Hein. Ouais, ouais. Je vais en faire 2, ça devrait suffire. De toute façon, je pouvais en faire que 2, là, donc nickel. Non, non, j'inviterai pas biche machin à dormir. Certainement pas. Allez, j'en suis à 12. Hello à ceux qui débarquent. Ah, déjà fait. Ok, bah, regarde. Hop là, ça c'est bien. Je vais vérifier. On a 14, nickel. 15, 16. Ok. J'ai commencé pile en même temps que toi. Ah, nickel. Nickel, Fire. Bah écoute, je pense qu'on est beaucoup là à le faire et c'est chouette. Je pense que c'est le meilleur moment décembre. C'est comme je disais, tu vois, décembre, c'est le moment où tu recommences la saga Harry Potter en vidéo. C'est le moment où tu recommences Animal Crossing. C'est le moment parfait pour tout ça, voilà. Tu vois, c'est le moment parfait pour faire ça. Je vois pas de meilleur moment. Y a pas de meilleur moment d'ailleurs. Ça suffit, là je pourrais pas. Je vais me faire avoir. J'ai pas regardé s'il y avait dans ces arbres là. Je vais me faire avoir, je vais me choper une guêpe, tu vas voir. Ou alors, le mieux... Attends, j'ai une idée. Le mieux, ça serait de prendre ça, et normalement... Attends. Voilà, là, je... Non, attends. Ouais, c'est ça, tu reçois un truc particulier, on est tous d'accord là-dessus, hein. On est clairement d'accord. Le filet. Et la perche à côté du filet. Attends. Oui, d'accord, c'est dans l'autre sens. Ok, donc là... Quoi? Pourquoi j'ai la pelle? Attends, mais c'est un délire. Ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens. Donc normalement, si je fais gauche... Ok. Mais pourquoi il met la pelle à chaque fois? Ah, c'est parce que ça le met ici. Ok. En fait, c'est dans mon inventaire que ça le gère. D'accord. C'est pour ça. Ok. Donc si je fais à droite, ça me met la hache. Voilà, parfait. Comme ça, j'aurais juste à aller à gauche. Si jamais il y a une abeille. Voilà, regarde. Gauche. Et on l'attrape. Ah, ça marche pas. Punaise. Je pensais que ça allait fonctionner. Pas du tout, c'est pas assez rapide. Ce n'est pas assez rapide. Pour changer d'outil. Tant pis. Tant pis. Ça sera noté. Harry Potter, c'est pareil. À chaque fois, en décembre, on recommence la saga Harry Potter. On se refait toute la saga. La base, c'est la base. Bah, c'est Animal Crossing, c'est un peu pareil, hein, je trouve. C'est un peu ce sentiment de gros show. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un ballon quelque part. Il y a un ballon quelque part. Absolument, il a été atteint, Fire. Il a été atteint, ce sub-goal. Maintenant, on est au prochain, qui est à 1000 pour le speed dating. Il a été atteint, celui-ci. Ah, on l'a déjà fait, là? Ah, mais j'ai déjà fait ceux-là. Bah attends, on va grimper. Attends, on va grimper. Absolument. Allez, hop. Bonsoir. Alors attends, ici. Ouais, j'ai vu qu'ils le diffusaient aussi à la télé Harry Potter, mais parce qu'ils savent très bien que c'est la période. Bah, nous on l'a en Blu-ray, donc on va le regarder en Blu-ray, mais j'ai vu ça, ouais. Bah ils le savent très bien qu'en cette période de l'année, il y en a beaucoup qui vont retomber dedans. Alors attends.
Hop là. Et attends, il y a des hybrides là-haut aussi qui sont sortis de terre. Alors. Oh, c'est pas les bonnes. J'ai cassé la chaîne de pêche, j'étais à 70. Mais t'as vu ? T'es un petit peu plus de 50, je suis désolé pour toi, je comprends totalement le sentiment. Je comprends. Je comprends. Je comprends, je suis désolé pour toi. Ah super, j'en ai eu deux. Je voudrais terminer l'épisode par un joli lit. Un joli lit. J'en suis à combien? Ah ça y est, j'en ai 30, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, je vais juste terminer quand même pour en avoir un peu plus, si jamais. Ouais, forcément. Parce qu'on en aura jamais assez. Je crois que j'en avais stocké de toute façon chez moi, si je dis pas de bêtises. Oh punaise. Alors ça c'est un peu le caca ça. Attends. Ah! En fait t'as pas le temps de ranger quoi que ce soit, c'est si tu l'as dans les mains c'est bon, si tu l'as pas dans les mains c'est raté. Bon ça m'arrange, j'ai pas repassé le truc tu vois. Voilà. Allez vas-y. Alors. On va aller faire le lit. Il faudra qu'on se fasse un établi hein, parce que là tu vois. Genre on n'arrête pas d'aller et venir dans le truc de Tom Nook, ça va pas le faire. Alors, notre petit lit, évidemment. Oui, au travail. Donde esta? Là. Lit double en bois. Parfait. On pourra le personnaliser plus tard. Enfin! On va pouvoir dormir dans un bon endroit. Perfect. Allez. Donc, on va virer ce truc là. Voilà. Et on va mettre notre lit double en bois. Oui, alors attends. C'est déjà un peu mieux. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Même si on n'a pas grand chose pour l'instant, c'est déjà un peu mieux. Voilà, je vais stocker ça. Le reste, je pourrais le garder. C'est pas mal. Voilà. Et ben voilà, super, on va pouvoir terminer notre épisode ici. Donc, c'était l'épisode de maison en construction. On a construit les trois maisons. On a amélioré notre maison. On a remboursé notre prêt. Dans l'épisode de demain, on fera tout, on amènera tout au musée. Et on pourra également avoir notre premier habitant supplémentaire. Ce qui est assez chouette. On peut même se mettre là pour terminer notre épisode. Regarde, hop là. Juste ici. Et on peut clôturer. On fait une pause, sauvegarder et arrêter. Absolument.